en bas là, en bas. Quand vous mettez votre culotte, honnêtement, pendant toute la journée, et c'était vraiment une journée chargée, est-ce qu'il y a probabilité que ça sente? Oui, bien sûr. Je suis. Ah. T'as demandé à ta maman si ça sent. Hey. Salut. Salut. Ça va? Comment on se retrouve? Pour la deuxième fois sur ma chaîne. Mais ouais, ça fait ouais. Toujours même tenue. Toujours. On voit non, faut pas abuser. Ah oui. Mais aujourd'hui, par contre, j'espère que tes chaussures, ça sent bon. Ouais, franchement, elles sont neuves. Je les ai achetées hier, je te mens pas. Très, très bon même. Tu peux sentir, je te jure, je les enlève devant toi là, carrément. La dernière fois, le thème, c'était sentir ses chaussures. Ouais. En fait, elle a pas voulu. C'est pas trop ça. Mais aujourd'hui, si c'est le même thème là, tu vas assumer. J'assume complètement. Là, voilà. Tu peux. Alors, écoute ça. Dis-moi. Regardez ce qui va se passer ici. En bas là. En bas. Ouais, quand tu mets ça, ouais. Pendant toute la journée, ouais. Est-ce que ça sent? Ah non, moi non. Ça ne peut pas. Non, non, non. Même un petit peu. Ah ben ma fille, non. Non plus. Ah ben non. Question d'hygiène. Même pendant vos périodes. Il y a des remèdes de grand-mère qui font que voilà, ça reste frais et ça ne sent pas. Ah d'accord, d'accord. Voilà, voilà. Mais c'est quand même naturel les odeurs naturelles. Bien sûr, c'est naturel. Mm-hmm. Mais après, s'il y a une petite odeur, c'est que c'est pas normal. Non, honnêtement, ça dépend, ça dépend. Tout dépend. Quand tu vois, si tu as eu du mouvement, ou... voilà. En activité ou quoi, bah oui, donc, évidemment, coup, on est des êtres humains, on est des voilà. Êtres humains, voilà, c'est des choses comme ça, c'est les aléas de la vie, hein, tu connais, on les est obligé de faire avec, c'est comme ça. Et la dernière fois que tu as remarqué que non, ça sentait? En vrai de vrai? Ouais. C'est à 3-4 jours. 3-4 jours? Ouais. Elle est honnête au moins. En vrai, elle, non, elle est honnête. Elle est honnête. Non, mais frère, elle faut s'avouer. J'avais fait des efforts physiques aussi. Voilà. Désolé, quand t'as une relation, pour moi, avec la même personne souvent, mm-hmm. Faut que ça évacue. Tu vois, au bout d'un moment, quand tu uses trop la chose, désolé, il y a de l'évacuation. C'est comme ça. D'accord, j'espère. Alors, écoute ça. En bas, là. Hein? Quand tu portes ça, pendant toute la journée, est-ce que ça sent? Non, ça sent pas, ça sent la rose. Ça sent la rose. Mais non, tu mets ça du matin au soir. Hein? Non. Ça sent rien. Mais si, ça sent. C'est jamais arrivé que ça sente un peu. Mais. Une odeur bizarre. Mais comme tout le monde. Comme tout le monde. Bah oui. Mais là, tu nous as dit que c'est. Ah ça là. Sent pas. Genre, comme si c'est jamais arrivé, quoi. Mais si. Si, c'est déjà arrivé. Bah oui. Super. Moi, j'aurais dit ça dépend, mais. Ça dépend de ce que je fais de la journée. Mais je sais pas si je vais faire du sport, peut-être. D'accord. Mais sinon, non. Sinon, non. Non. Mais si tu fais du sport, ça, cela, ça peut arriver. Oui, je pense. Est-il normal que cela arrive Ben oui. D'accord. Comme tout le monde. Pour le corps, c'est normal en fait. C'est le corps humain. En bas là. En bas. Ouais. En bas. En bas. Dis-moi. Quand vous le portez pendant toute la journée, ah, yes. Ouais. Est-ce que ça sent? Non, ça sent pas. Chacun, j'ai le parfum. Ah, chacal, les garçons, on connaît. On a un peu des odorisants, tu connais. Faut nettoyer, à chaque fois, faut nettoyer. Avant l'action, tu nettoies. Mais pendant toute la journée. Genre le matin, tu pars au travail, le soir, tu rentres. Chacal, ça sent. Avant de dormir, moi, je l'appelle, je lui dis de se raser. Oh non. Je prends soin de moi, tu vois. L'odeur naturelle, déjà, ça sent bon chez moi. Vous croyez ça? Point d'interrogation. Je vais pas mentir, t'as vu? Ça veut dire? Moi, ça sent pas. On est entier, on se respecte. Sans mentir. On se respecte. Sans mentir. On est entier, ça veut dire quoi ça? Sans mentir. Et on se respecte, d'accord? C'est les c'est les copines qui se respectent pas parfois. J'ai déjà vu des plus, j'ai déjà vu des cas où j'ai senti des bails. Personnellement, c'était pas. Voilà. C'est pas magnifique. Regarde, écoute. Tu vois, je suis entier. C'est-à-dire, à tout moment, ça peut dégainer. Ça veut dire? Non, ça veut dire? C'est toujours propre et toujours bien soigné dedans. Alors écoute ça. En bas là. En bas, hein? Quand tu mets ça toute la journée, du matin au soir, est-ce que ça sent? Ah, les poissons? Les poissons, ah ouais? Donc toi en bas, ça sent les poissons? Non, oh. Sur certaines filles, dans les transports, ça sent fort. Hein. Moi, je parle de toi. Oh, ça sent fort, mais comment tu sais que c'est cette odeur-là? C'est que ça t'est déjà arrivé, quoi. Naturel. Ben, quand on a nos règles, oui. D'accord. Donc toi, tu as déjà remarqué ces odeurs-là dans le transport en commun? Oui. Oui. Super. Je te remercie beaucoup. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez me répondre avec sincérité? Oui. D'accord. En bas, là. En bas. Quand vous mettez votre culotte, honnêtement, pendant toute la journée,
et c'était vraiment une journée chargée. Oui. Est-ce que ça peut arriver que ça sente? Non. Non. Jamais. 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 Mais c'est naturel, hein, les... Oui, je sais que c'est naturel, mais jamais. Jamais ça arrive. Non. Mais dites-nous un peu votre secret. Il n'y a pas de secret, faut être propre, c'est tout. Donc elle est 100% parfum naturel. Tout à fait. Super. En bas là, hein, ouais. Quand vous le portez, d'accord, pendant toute la journée, est-ce qu'il y a probabilité que ça sente? Oui, bien sûr. Bien sûr, oh là là. Ah oui, ah oui, ah oui, venez s'il vous plaît, venez s'il vous plaît, venez s'il vous plaît. Bien sûr. Ça dépend des activités. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Après, il faut savoir se retenir justement pour ne pas avoir ces sensations-là. D'accord, voilà. D'accord. Est-ce que c'est normal que ça arrive? Ben, ça sera pour tout le monde, je pense, hein, que ça soit normal. Hein. On reste un être humain, non? Voilà, on reste un être humain, très important. Et un dernier mot, madame? Oui, c'est vrai, on reste un être humain. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours, en fait, faire attention à tout ça et toujours protéger, en fait, tout le bas. En bas, là. En bas, hein? Quand tu portes ça, ouais, pendant toute la journée, est-ce que ça sent? Non. Même pendant 2 jours, bah t'as le mot à mon mec. Attends, même pendant 2 jours? Donc t'as déjà mis une culotte pendant 2 jours? Toi, quand j'étais chez moi là, et que je suis couché, et que je suis dans les vapes là, je reste dans mon lit, je bouge pas quand je suis malade. D'accord. Pendant 2 jours, tu remets le même, la je même culotte? Je remets pas, c'est toujours, je l'ai sur moi. Ah. Le... Ouais, les aisselles, ça remet... c'est normal si tu te laves pas pendant 2 jours que tes aisselles ils puent. D'accord. Mais sinon, non, non. Ah, les aisselles, oui, mais pas en bas. Ouais, oui. Mais c'est presque pareil en fait. Mais non, c'est pas pareil, tout dépend. Parties... Bah, mais non. Tout... non. C'est bien caché en fait, c'est des parties. On non, peut mais dire en bas, ça se te lave en fait. C'est quoi ça? En bas. Non. Quand tu mets ça, pendant tout. Tu... Attends, écoute. C'est comme je te pose la question, en bas, quand tu mets ça, ça sent toute la journée? Moi? Moi ça sent pas, ça va. Ça dépend. Non, ça dépend des paires de baskets que je mets. Tu mens. Tu mens. Non, mais non, toi, tu mens, toi. Mes pieds sentent bon. Écoute bien. Ouais, j'écoute. En bas là, quand tu mets ça toute la journée, est-ce que ça sent? Ah. T'as demandé à ta maman si ça sent? Oh putain. Mais non, on veut savoir si aussi l'hygiène pour toi c'est. Bah, tu demandes à ta maman, elle va t'éduquer? Non, moi, non, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Non. Là, on parle de la. Expliquer les choses. Ok. Il n'y a pas interview des inconnus dans la rue. Écoute, là, on parle de la propriété, tu vois. On veut savoir en fait si les filles sont honnêtes. Voilà. Tu peux me poser la question, je vais te répondre. Hein. C'est une question qui ne se pose pas. Si, ça peut se poser. Non. Si tu mets, quand tu mets ça toute la journée, est-ce que ça sent? Est-ce que moi, je te demande ton hygiène en bas? Bizarre. Si tu veux. Mais ça m'intéresse pas. Ben pas... voilà, moi ça m'intéresse. Non. Ah bah moi je te dis pas. Les Parisiennes, vous êtes trop fermes en fait. C'est ça le problème. Parce que tu crois que autre part on va te répondre? Ben oui, pourquoi pas. C'est possible, non? C'est pas impossible. D'accord. En bas là. Hein? Quand vous le portez, pendant 24 heures, honnêtement, est-ce que ça sent? Non. Hein? T'as marre quand vous la est-ce... Oh, c'est quoi cette question? Après le sport ou après une activité, est-ce que cela peut arriver? Non. Enfin, personnellement, non. Non. Toi, tu mens. Pourquoi? Tu sais que pour un être humain, c'est tout à fait normal que cela arrive. Je sais, mais moi, ça ne m'arrive pas. Ah. Et toi? Après, je pense que ça dépend de la personne. Ben, chaque femme est différente. Non, moi, ça m'arrive pas. Enfin, je n'ai jamais été dans le cas. Donc, peut-être que oui, hein, on ne sait pas. En bas, là. Ouais. Quand tu portes ça, du matin au soir, hein, pendant toute la journée, quoi, est-ce que ça sent? Est-ce que... Ça sent. Est-ce que quoi? Ça sent. Non. Non. Eh, l'hygiène, c'est important. C'est important. Ouais, c'est très important. Ça dépend, tu peux... Ah, il y en a. Peut-être t'as passé une journée chargée, cela peut arriver. Hein. Ouais, non. Ah, même quand t'as une journée chargée, ouais, t'as fait plein d'activités, ça sent toujours bon. Ouais. Ça sent quoi alors? Ça sent bon. Y a, ça sent bon. Il n'y a aucune odeur bizarre, t'as vu. Peut-être ça sent le métal. Même pas. Là, je célibe, les gars! Célibataire! Faut venir, pardon! Oh, vive le célibat! Ah, le célibat, gros! On est là! Bon, est-ce qu'on peut faire un appel alors? On sait jamais qui te regarde là. Vas-y, vas-y. Tu passes juste Insta ou Snap. Alors, c'est 13 Lunatic 13, tu connais, je suis sur TikTok aussi, 5000 abonnés. Donc, si tu veux me pécho, faut venir, Cyril. Faut venir. Et fais les lettres de tes réseaux sociaux, les réseaux sociaux que t'es active. TikTok, Insta, Snap. Même les DM, tu réponds? Je réponds toujours. Et fais les lettres de tes réseaux. Bah 13, Lunatic, 13. Lunatic, L-U, ouais. C'est ça? L-U. N-A,
Lunatique. Ouais, lunatique. Ouais, non, T-H-I-C. Ah, d'accord, Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their ass on new chains. My bitch love doing cocaine. I fuck a bitch, I forgot her name. I can't buy me no.